Si vous me cherchez, je suis là, hein, les gars. 19h, 19h, l'heure du stream. Qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On se fait un jeu, ouais. Et on se fait quel genre de jeu? Ben, un shmup. Et un shmup qui gueule. Alors, je vais baisser son son. Véronique, baisse son son. Merci. T'es un chou. Oh, je t'adore, Véronique. Et donc, on va se faire donc un jeu, un shmup. Et ce sera une nouveauté. Comment ça, je dis n'importe quoi? Vous êtes vraiment habitué maintenant à mes streams, c'est pas possible, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, je ne dis pas n'importe quoi, c'est une nouveauté. Ce Zero Ranger est sorti du fin fond de l'imagination d'un programmeur décidément très traumatisé par la période 8 bits. Et il nous a donc pondu cette chose, qui ne s'affiche même pas au plein écran. C'est un petit shooter vertical qui est pur 8 bits. C'est-à-dire que vous voyez les couleurs, il n'y a pas plus de 32 couleurs à l'écran, quoi. On y croit. Et alors, il y a du gros pixel, ben on veut-tu, on veut là. Est-ce que c'est jouable? On est en 2018, Zero Ranger doit être jouable. Action! Alors c'est la démo que j'ai chargée, que vous pouvez charger librement sur le site du développeur. Je vous mettrai le screen à la fin. Je vous invite à le faire hein, si vous êtes fan de boulettes, parce que du coup c'est quand même pas mal branlé. J'ai essayé vaguement la démo pour voir si elle passerait dans le stream. J'avoue qu'au deuxième tableau je me suis fait dérouiller direct. Donc c'est pas mal. La démo est assez longue. Le jeu peut paraître prometteur à mon avis. Allez, on fonce dedans. Zou! Avec les oiseaux qui s'envolent. Voilà, tout est respecté, la tradition, c'est magnifique. Alors oui, il y a du gros pixel, hein, on se croirait sur une Game Boy. Mais c'est un peu fait exprès, je crois. Il y a de la grosse BO. Il y a des effets mode 7. Ouh, aïe, 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 aïe. Alors, le choix des couleurs peut paraître un peu perturbant, hein, ce vert et ce orange de partout, mais au moins c'est un parti pris. Le gars, il a fait un truc, bah, il y a une signature, on va dire. Et ces musiques épiques, comme on les aime. Et pan dans ta gueule. Ah ouais, non, mais je parle plus trop là, je suis concentré à fond. Non, je plaisante. Je suis à 5%. 5%, et encore, c'est pour parler en même temps. Et vous voyez que le petit gars se laisse pas faire, hein. Comme quoi. Ah, petite accélération. La musique accélère pareil d'ailleurs, derrière, c'est excellent. Bref, on voit que c'est un furieux qui a fait ça. Et pas un demi-furieux, quoi. Le furieux, genre. Les gars, ils croient pas qu'on peut s'amuser avec du vieux jeu rétro 8 bits et tout. Je vais leur faire voir. Et ma foi, c'est une démo qui mène ça avec maestria, comme on dit. Keep your cool. Ouais, je vais essayer. Me remets pas le passage avec les. Bah, si, bah, je vais pas y arriver là. C'est là où je me suis fait tout foncer comme un cake. Alors, j'ai peut-être pas le bon armement, je sais pas. Et je peux pas le changer. Donc. Ish. Ah oui, ish. Alors là, attention, truc de traître. Oh, j'étais bon là! Putain, c'est dégueulasse! Quand un jeu commence à vous faire dire ça, c'est que vous vous y prenez vraiment. Alors c'est dommage que je puisse pas le flingouiller lui parce qu'il me con. Ouais, ça se flingouille, mais faut vraiment se mettre sur le bord. Allez, casse-toi vite, courageusement. Je passe. Voilà. Je vais gérer comme ça, hein.
Ichi. Oh, au culot, ça passe. Hein. Oh putain. Ah, il est vraiment pas sympa ce jeu. Genre, dès qu'il y a des cadeaux, c'est parce que vous allez avoir une saloperie. Où je suis? Où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Je dois vous avouer que quand j'ai essayé préalablement, je suis pas allé aussi loin. Et c'est trop classe. Pourvu que ce jeu ne reste pas une démo, sérieux. Alors, je vous invite à l'essayer vraiment parce qu'on s'amuse. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des trucs avec des gros pixels 3D touffus et qui envoient et qui défoncent. Puisque, regardez-moi ça. Yes, I do. Je parlerai après parce que lui, je sens qu'il va mobiliser quelques-unes de mes facultés psychomotrices, comme on dit couramment dans le langage technique. Passe! Il va déjà se faire bomber la gueule s'il fait trop le malin. Ah, fumier. Oh, les patterns d'eau. J'ai pas trouvé ma super bombe du coup. Yes, I do, mais je suis déçu. Oui, j'essaie ma fucking super bombe, s'il vous plaît. Juste l'essayer. Pour voir comme c'est beau. Non mais j'ai pas essayé, j'avais un tir alternatif depuis le début, je suis une nouille! C'est bien, ça fait un petit côté bourre vergnate la rythmique de mon tir. Faut vraiment lui tirer au milieu cet enfoiré. Oula, ça y est, il va s'énerver, il va s'énerver, il va se fâcher, il va me faire une colère! Oh, ça passait, madame. I give up. Mais je serais déjà allé plus loin que dans le petit essai que j'avais fait. J'en suis très content. Regardez-moi ça, ce jeu. 7 minutes avec l'intro du stream. Et on a eu de l'intensité non-stop. Eh oui, tu n'as pas sauvé la planète. Il faudra que tu rejouilles. Donc les amis, ce qu'on va faire, je vais arrêter ce stream ici. Je vous invite à l'essayer ce jeu vu qu'on vous offre la démo. Je vais vous afficher le bandeau d'infos tout en bas pour aller télécharger Zero Rangers. Je vous affiche également la playlist générale de The Big Game of Ski, des fois que vous vous ennuyez, et puis la playlist spécialisée Shmup, des fois que vous adoriez ça. Je vous laisse le générique, je vous dis à demain, 19h, ciao!